Je bouge à Zafir là, parce que quand je trouvais dans l'affaire Tisnel, il m'a donné une boîte de Pando. Puis nous tirons un tiroir, un tiroir, et semaine prochaine, il y a les autres tiroirs qu'on peut trouver, et à manager de chez nous. Donc, je veux dire, tout le monde, nous continuons à se solider avec la famille Tisnel dans ce moment-là, parce que la vérité là, tout le monde vient trouver ça. Je dois trouver pour qui dit qu'il y a des gens qui peuvent trouver. Je dois trouver qu'il y a des mafias qui contrôlent ce pays là, parce que ce pays là n'est plus contrôlé par un gouvernement, ça, il est contrôlé par un politique ou mafia. Donc il est important que tout le monde qui peut arriver dans ce pays là, il ne pas l'ouvrir tout boîte qui vient ouvrir. Et bien tout le qui vient aller, vient aller, si le gouvernement l'aime, vient aller, tout vient aller. Et nous continuons le combat jusqu'au bout. Je vous disais, je ne vais pas arrêter en milieu de malgré les menaces, malgré tout. Et vous connaissez la déloté aussi que James Cook avec Tip Chun là-dedans là. Il y a eu un problème, mais c'est nous là, nous avons problème, ça merci. Alors, on se retrouve à nouveau devant la New Courthouse pour la troisième comparution de Yogida Sorminaden. Ce qu'on lui reproche, vous le savez, sous la section 77 du Code pénal, c'est-à-dire abus d'autorité par un agent ou un préposé du gouvernement. L'affaire, sur le fond, vous le savez, n'a pas encore été prise. La question, avez-vous à son insu enregistré Mme Kisnen comme votre constituency clerk sans la rémunérer les 15 000 roupies? Eh bien, cette question, vous le savez, n'a pas encore été abordée. On est très loin du fond de l'affaire. Les débats, aujourd'hui, doivent se poursuivre sur la forme, notamment... Est-ce qu'un citoyen prosécuteur, en la personne de Mme Kisnen, peut loger une private prosecution avec une charge provisoire? Vous l'avez lu dans les journaux récemment, tout un débat sur la charge provisoire ou la charge formelle. Venons-en aujourd'hui à ce qui s'est passé. L'information du moment, c'est que le bureau du DPP, après la déposition de Mme Kisnen samedi dernier à la MCIT, eh bien, le bureau du DPP a rencontré le DCP, Eman Djangui, le chef du CCID, qui a donné la garantie au bureau du directeur des poursuites publiques que l'enquête se fera et que le dossier sera bientôt soumis au bureau du DPP. Et donc, le DPP a demandé un renvoi. Je vous dirai dans un instant la position de Maître Ramaba Laïden sur la question, mais d'abord, dès le début de l'audience, Maître Raouf Gulboul a donné à la magistrate une capture d'écran imprimée de la fameuse photo de Yogida Sorminaden dans le box des accusés. Alors, Maître Raouf Gulboul a dénoncé ce cliché. Il a demandé à la magistrate d'ouvrir une enquête parce que, selon lui, c'est une contempt of court. Maître Ramaba Laïden a répondu en indiquant que lui aussi, il dénonce le non-respect de cette tradition, mais il affirme que ce n'est pas une offense, c'est juste une tradition. Au final, au fil de certains échanges entre Maître Raouf Gulboul et Maître Ramaba Laïden, Maître Laïden a concédé qu'effectivement il s'agit de scandalizing the court, mais la magistrate ne va pas enquêter, elle a simplement demandé à tous ceux présents de ne prendre aucune photo de la salle d'audience. Le représentant du DPP a présenté cette motion, je vous le disais, pour un renvoi au-delà du 28 janvier parce que selon lui, la police lui a donné la garantie qu'il enquêtait sur cette controverse sur le recrutement de Mme Kisnen comme constituency clerk. Alors, je vous donne tout de suite la réponse de Maître Ramaba Laïden. Nous prendrons position uniquement si nous obtenons un firm undertaking, selon Maître Ramaba Laïden, que Yogida Sorminaden sera effectivement entendu par la police, si nous obtenons une date de cet interrogatoire par la police et si nous obtenons la garantie que cette interview, que cette déposition sera enregistrée under caution, under warning. Uniquement à cette condition, nous allons agréer pour cette pause dans cette private prosecution. Maître Raouf Gulboul
évidemment, n'était pas d'accord avec la position de maître Ramavalaiden, je vais y parvenir. Et selon lui, qui est ce policier qui pourra donner un undertaking à ce moment précis pour dire que Yogida Sorminaden sera interrogé under warning? Mais maître Ramavalaiden a renchéri. We should not do a mockery of justice. Parce que selon lui, s'il n'y avait pas eu cette private prosecution, si les choses n'en étaient pas arrivées jusqu'ici, au troisième jour de comparution de Yogida Sorminaden à la New Court House, eh bien, jamais, selon Ramavalaiden, la police de M. Jangi n'aurait appelé Mme Kisnen samedi dernier. Et maître Tilak Dari, qui devait reprendre les plaidoiries au sujet de private ou de public charge, public information, le fameux débat de la dernière audience, eh bien, il a essayé de commencer sa plaidoirie, mais la magistrate a ordonné une pause pour qu'elle se décide sur ce renvoi demandé par le DPP. Donc, dans quelques minutes, il se pourrait que la magistrate décide que l'affaire soit renvoyée au-delà du 28 janvier 2011. Rien n'est moins sûr puisque maître Ramavalaiden et les autres avocats, maître Roshi Badin, épaulé aujourd'hui par maître Youssouf Mohamed et Shakil Mohamed et toute la bande qui se fait appeler les Avengers, eh bien eux, ils ne sont pas d'accord avec cette posture du DPP pour demander un renvoi car, disent-ils, ils ne font pas confiance à la police, pardon. Il demande des garanties.